à tous. Bonne année, bonne santé. Et bien sûr, qui dit nouvelle année, dit nouvelle surprise. Voici un petit sommaire pour introduire cette nouvelle année 2010. À quoi ressemblera Toy Story Playland? Où sera placée l'attraction La Petite Sirène? Aurons-nous Star Tours 2 en France? Quel est le futur du Disney Village? Et enfin, quelle sera l'attraction du 20e anniversaire? La Petite Sirène sera la future attraction du Disneyland Park. La construction, prévue en 2014, commence déjà à être préparée. Cette attraction ne sera pas inédite, car elle a déjà deux sœurs. Elles sont similaires et Paris ne va sans doute pas échapper à la règle. La première prendra place en Floride, au Magic Kingdom, dans le plan d'expansion de Fantasyland. Elle possédera un extérieur plus détaillé en reproduisant le château du film, ce qui pourrait être aussi le cas en France. Le Disneyland Resort devra se contenter d'une décoration plus sobre pour un contenu similaire. À Paris, la rumeur de la construction existe depuis longtemps. Beaucoup avaient prédit comme emplacement une zone vide entre Fantasyland et Discoveryland. Toutefois, de nombreux éléments poussent à penser que le véritable emplacement sera ici, au fond de Fantasyland. La zone actuelle est composée de bureaux, du Fantasy Festival Stage, du Pays des Contes de Fées et de la gare de Fantasyland. Une route sera construite à partir d'une route existante reliant les Pays des Contes de Fées et une plus grande reliant avec Fantasyland. L'attraction prendra place au bout. Toutefois, des aménagements seront nécessaires. Les bureaux ont déjà commencé à être déplacés, le restaurant Toad Hall va être réhabilité et agrandi. Quant au Fantasy Festival Stage, il sera probablement détruit. Ton ami, c'est moi, tu sais, je suis ton ami. Quand tout s'embrouille, en vadrouille, loin, très loin de ton lit douillet. Rappelle-toi ce que ton vieux pote disait. Oui, je suis ton ami. Oui, je suis ton ami. Ton ami, c'est moi, tu sais. Je suis ton ami. Si t'as des soucis, j'ai les mêmes aussi. Mais je ferai n'importe quoi pour toi. Tous les deux confondus comme les veines dans le bois. Parce que je suis ton ami, c'est en moi. Je suis ton ami. Y'a peut-être plus malin que moi ailleurs. Plus fort, plus puissant aussi. Le Disney Village est le lieu où finir la journée à Disneyland en beauté. Restaurant, discothèque, boutique, tout y est pour passer une excellente soirée. Tous les resorts Disney en possèdent un, basé globalement sur le même principe. Toutefois, le Disney Village est relativement petit, face au downtown Disney américain, de véritables pôles culturels et des centres commerciaux à ciel ouvert. Heureusement, une phase d'expansion vient d'être décidée, afin de redynamiser le village. Commençons par la rive gauche.
le bureau de change va être transformé en comptoir KFC. Le Disney Store, quant à lui, va être remplacé par un Virgin Megastore. Les boutiques Disney Fashion et World of Toys vont être remplacées par une boutique Lego, une boutique Pixar, une boutique sur la gamme écologique de Disney. La discothèque Hurricanes, quant à elle, a fermé, pour être remplacée par un restaurant sur la Belle et le Clochard, Luigi's Restaurant. À côté du cinéma, prendra place le World of Disney, boutique qui regroupera les produits du Disney Store, de Disney Fashion et de World of Toys. En face, prendra place le centre de convention. Entre McDonald's et le parking Vinci, une route sera construite. Elle sera bordée par un hôtel réservé au centre de convention. Notre Disney Village va enfin rattraper les downtowns américains.